Et nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation. Nation. Jesse, James, Team Rocket. C'est toi qui fais Jesse, hein? Plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. La guerre, oui, la guerre. Bon, bref, c'est bon. Eh bien, rebonsoir à tous ceux qui nous suivent pour le live et bonjour à YouTube. Coucou YouTube. Salut YouTube. Bonjour YouTube. Puisque c'est comme ça que certains jeunes font maintenant. Ils disent bonjour YouTube. De dire bonjour aux gens YouTube, parce que YouTube c'est bien, mais YouTube c'est froid. Moi je préfère dire bonjour aux gens derrière c'est YouTube. En fin de compte, quand tu dis mais bonjour à YouTube, maintenant tu me le fais penser, tu dis bonjour à un site. Mais c'est ça. Bonjour, bonjour aux YouTubeurs. Bonjour. Non, bonjour. Non, pas les YouTubeurs. On n'a pas le chat. Aux viewers. On n'a pas le chat. Oh, on n'a pas le chat, oui. Miaou. Oh, tu te sens... oh salut Sissi. Sissi. L'impératrice. On bourre les deux brebiches. Bon, on va arrêter. Non, c'est... non, on va arrêter. Oh, c'est pas des cookies, bébé. C'est pas des cookies. C'est excellent. Ce ne sont point des cookies. Ça, ce sont des écoliers. Et c'est très mal vu depuis l'affaire du trou de dire qu'on croque des écoliers en magique. Mais c'est très mal vu, mais. Je t'assure que version bio, ce n'est pas écolier. Ah, c'est du bio. On peut alors. Grand plaisir, merci. J'ai trempé mon écolier dans le café. Oh non. J'adore, ça le ramollit. Bon. Ça te dit. Ça l'assouplit. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous proposer un petit play for fun original, en ce sens que c'est un play for fun que moi, j'ai jamais fait. C'est un play for fun basé sur la découverte. Ouais. Alors attention, que j'ai remarqué un truc à l'occasion de la création de ce deck. C'est que le mot-clé, c'est pas découverte. Le mot-clé, c'est « découvre ». Je ne sais pas si tu savais ça. Découvrons. C'est « découvre ». Bon, eh bien, merci à tous ceux qui nous rejoignent encore actuellement. Allez, c'est parti, on va faire péter. Je vais vous montrer le deck. Non, je ne vous montre pas le deck. On va le jouer. Ouais, mais bon. On l'essaie en latin. Mais moi, je l'ai... Ouais, hein. Mais il n'est pas sérieux du tout, hein. Go, go, go. Allez, hop, c'est parti. Allez, je finis mon écolier. Monsieur. J'ai quand même l'impression qu'ensemble, on tombe quand même. Il va falloir qu'on se limite, parce qu'on a une capacité à être un peu vous plus... Vous avez cherché. Non. Mais non. Regarde un peu comme c'est mignon, ça. Bah, c'est une belle main, ça. Contre Hunter, moi, je garderais plus objectif. Non, mais je le jetterais. Mais lui, je l'ai mis dedans, parce que c'est pas vraiment la découverte, mais presque. Ouais, il découvre. Il balance des trucs. T'as des petites créatures? Non. Bon, du coup, fallait le garder. Bah, j'ai fini. Et là, finalement, peut-être servir de soin ou un truc comme ça. Hein. Le bonjour. Alors, ouh, maintenant, il y a un petit... Voilà, ils ont arrêté avec Esquilax, maintenant, c'est Valonie contre Flandre. Sérieux, hein. On les aime bien, nous. Les Flandriens? Moi, j'ai pas intérêt à le contraire, en fait. Ouais, t'es dans leur domaine. Ah, qu'est-ce qu'on fait? L'armor up contre un... Oui, la connexion, déjà, c'est hors de propos, hein. Donc, ouais, l'armor up, hein. L'armor up, c'est bien. Tiens, alors, t'as mal aux Fumes? Excuse-moi. Tu peux concéder ou pas, hein, parce non, que lui, il va jouer un truc sérieux. Qu'est-ce qu'il fait pour 3? Horde de tuer. Non, il peut pas, c'est 2. Là, il va me jouer directement. Ah oui, un petit réflexe. C'est la bien, trouille, ça. La trouille, et Rémi. Il a les miquettes, hein. Et t'as tourné ta casquette façon top. Ouais, j'ai fait over the top. Ouais, j'ai fait exprès. Ah, t'es prêt, regarde bien le talent. Moi, je me demande. Talent pas... Non. Moi, tu vois. Talent. Regarde-moi ça, le talent. Moi, je me demande si j'aurais pas fait pièce jet de sort, mais bon, du coup, c'est pas mal. C'est talentueux, c'est ça, talentueux. Monsieur. C'est directement jouable. On a découvert des bons trucs. Oh, tu ressembles à Sacha dans Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Pikachu. Mais il va exploser, le gamin. Excuse-moi, ton écureuil aux en fait là, il va pas bien, hein. Pourquoi il joue pas, le gamin? Parce qu'il a peur. C'est la trouille. Tu l'as figé. Ce qu'on a eu. Ah, ça, faut voir. Non, y'a rien à voir, c'est merdique. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et là, je suis sûr que tu lui as donné un truc salace, tu vois, genre... Tu sais qu'une fois, il y en a, il m'a fait ça et j'avais tous les murlocs de ta vie. Allez. Ouais, sauf que je jouais druide. J'étais ultra ravi. Putain. Oh, le petit éculé, je le mange d'abord par les pieds, comme ça, il peut pas s'enfuir. Merde. Après, j'ai tout le temps pour lécher les chocolats. Oh, mon Dieu. Il court, le petit biscuit. Oh, flèche multiple.
C'était moche, hein. Fais pièce à directeur. Bien sûr. J'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai dit c'est un petit peu vindicatif. Qu'est-ce qu'on veut? Oh, Economédie, on l'a déjà. On prend la barrière. Hein. Ou la barrière. Ouais, l'intelligence aurait été bien, mais la barrière, c'est plus troll. Oui, puis c'est 8 points de vie, quoi. En fait, c'est un play for fun, maybe. Peut-être ça marche, peut-être pas. C'est ça. Ouh. Alors, tire des arcanes, et puis... Éventail de Coutelu. Oh, c'est pas mal, l'éventail de Coutelu. On n'a plus rien à jouer, du coup. Ouais. Ouais, en mode direct. Ah, écoute, voilà quoi. C'est Sir Lord L. Sir Lord de l'Enfer. C'est ça. C'est le Sir Seigneur des ah, Enfers. Ah putain, je suis trop dark. C'est ça. Fusée éclairante. Why not? Je pense que c'est un vrai play for fun, ça, tu vois. Ouais, ouais, alors, mais tu ne sais pas du tout ce qui peut se passer. Non, non, c'est... on est dans une autre dimension. C'est ça. Pas un spell, hein. Bon, allez, si allez, ça, allez, allez. On veut bien aller. Sylvanas, Cairn, Deathwing. Isera. T'es nul. Ça va. C'est nul. Non, ça va. Je veux dire ça. Rédemption, puis t'as remorque. On est mollo, hein. Non, on est bien, là. Alors, est-ce qu'il est prévu d'organiser des tournois à Bruxelles? Oui, il y a des Brussels Cup qui sont prévus et il y a des choses qu'on peut imaginer prochainement à Bruxelles en plus. Ouais. Il se plein de choses avec. Faudra qu'on... Ouais, tu lui mets un joint dans la bouche, hein. Ouais, mais ouais, ouais, en fait, oui. Accessoirement. Oui, accessoirement. Voilà, ça me paraît bien. Le prochain tour, on duplique et on lui remet un joint dans la bouche après. Alors, depuis quand un mage a de l'armure? Bah, depuis qu'il peut. Oh, il est talentueux là. Ouais, mais... C'est un Reno en fait. Hein. Non, deuxième tir des arcanes. Bon, en fait, c'est un vrai rang. Ça. Ça. Mais okay. Bon, y'a pas de bête dans ton deck. Bon bah. Ah ouais, et elle où la découverte là-dedans? C'est le meilleur tuteur du jeu, tricheur. Alors, je l'ai mis dedans parce que. C'est aussi. En fait, c'est une carte. En fait. J'ai oublié de donner comment un nom. Comment tu essaies de justifier Alors, je t'explique. J'ai voulu donner un nom à ce deck, mais j'ai pas encore trouvé. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est un deck qui va jouer sur la. Ah zut, j'ai mis un truc qu'il fallait pas, ça. Ça, c'est sur Géo, en fait. Faudrait que j'aille voir comment je dois le dégager, ça. Il y a un truc en trop. Bah, bref, il y a un truc en trop. Donc, il y en a qui vient. Ben, il y a quelqu'un qui vient. Un follower chez. Un abo chez Géo. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ben, écoute. Ça? Ouais, ou tu mets ça. Et moi je ferai une torche sur la 4-7. Oui, hein. On prépare un petit peu. Pour préparer le flame streak, ouais. Ouais, c'est bien. Tiens. C'est armor up, hein, tranquillement. Hein. C'est bien ça. Ouais, on tient le coup, on tient le coup. Je suis derrière, je suis sur mon trône depuis le début du stream. Tellement absorbé par le stream, je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Fais gaffe. Ah, ça c'est désagréable, hein, ça m'arrive aussi. Ah. Là. Ça va, on est bien. Il va nous faire mal quand même, hein. Il va faire un peu mal quand même. Ah, un peu, hein. Et Batouane. C'est du Batouane. Le bizarre est bien ici, hein. Oui, mais voilà. Moi, je ferais quand même un éclair de givre dans la 5-5. Et puis que je ferais un armor. Histoire de prendre 7 dégâts de moins. C'est encore tenable. Bon, on n'a pas encore perdu. J'ai dit c'est du vrai play for fun ça, en face aussi hein. Ouais. Non lui il est moins fun que vous en fait maintenant. Ah là oui, là il vient tout de suite d'être beaucoup moins fun. Non mais il y a un play. Et en play. Faut boule de feu la 8-8. Et on meurt en prochain tour. Ouais. C'est désagréable cette histoire. Ouais. Ah il nous a piné en fait. Il nous a piné. Ou alors le scarabée orné de joyaux va tanker la... Ah ben non, on est mort. Fais le scarabée avant. Bloc de glace. Un drop 3. Non, bloc de glace, pas un drop 3. Jet sort. Bloc de glace. Mais ceci dit... Non, 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 il n'y a, y a pas... Il n'y a pas de ceci dit. Ah, ça c'est bien ça. Ça, ça nous aide. Ouais. Bon bah... Oh, tu peux concede. On est mort, hein. Allez, bien joué. Et salut, Spadilinas.
Bien joué. Alors, maybe, je vais tenter une dernière fois la question. Tu vois, j'avais pas vu. Est-ce que tu as déjà été au Carrefour? Ouais, ouais, j'habite là, j'habite à Tomberg. Ouais, donc ouais, c'est moi. Ouais. Écoute. Bah, hésite pas, viens me dire bonjour. Sauf si tu me vois avec ma femme, elle mort. Mais sinon, viens me dire bonjour. Allez, c'est parti. Au moins, on a tenu longtemps, hein. Les gens veulent savoir. Ouais, ouais, j'habite où, Olivier? Ouais, mais je peux le dire, hein. Oui, on a eu deux secrets pas là, en fait. Ouais. Je pense. C'est vrai que c'est... On dirait que le jeu vaut qu'on joue... Eddie, reprends un petit écolier, là. Un bio-collier. Salut, Rafa. Ah oui, il y a une effigie dans le deck, aussi. Il y a une effigie. Ça donne de la value. Mais je vais dégager tout ça, évidemment. Non, il y a des BF dans ce deck. Mais parce non, que moi, c'est là que... Très peu, hein. Il y a pas... Oui, parce que je me disais, à un moment, sans créature, c'est que tu gagnes pas en jeu. Oui. Il y en a très peu. Ben oui. Ouais, très peu. Je crois que c'est une meuf. Salut, Krodov. Salut. On fait ce qu'on peut, monsieur. Et salut, Hyposer. Donc, il y a pas mal de gens, en fait, apparemment, aujourd'hui, qui découvrent, enfin, qui redécouvrent. Le type qui conduit comme un fou à Olivier, c'est moi. Alors, c'est possible que je t'ai déjà insulté. C'est léger en volant, quoi. Je déteste les fous du volant. On te demande si tu connais Fritri Fernand. Bah bien sûr, chez Fernand, je vais tout le temps chez Fernand. Au code des pirates. Attends, les suprêmes de chez Fernand, ils sont pas pour rigoler, les suprêmes. Alors, de chez Fernand, enquête. Plutôt jet de sort. Oui, hein. Attends. Mieux, hein. Ouais, hein, jet de sort parce qu'il prend trade. Il prend trade, ça force un ping. Ouais. Ok. Quel est le but du deck? Bah, mourir. Non. De Montélimar, mais à la base c'est espagnol, c'est le Touron, mais les Français nous l'ont piqué. Alors, le but du deck, pour être tout à fait sérieux, oh, je vais jouer le Scarab. Hein. Ou pas. Je pense que ouais. On va aller chercher un tour pour le prochain tour. C'est bien ce que je viens de dire. Un mage du Crimson. Le prochain secret que vous jouez est gratos. Sapeur blanc. Moi je prendrais le Kirin Tor quand même. Ça synergise plus, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça 3-3? On va mettre déjà un petit coup de dent avec un petit châtiment. Comme ça, s'il pingue pas. Ouais. Non. Non? Moi, j'attendrai. Ouais, je lui donnerai pas l'info comme ça si. Moi, je ferai juste un pinge. Ok. Ah non, mais c'est franchement. Pas du tout, alors, c'est pas du tout hommage casino. En fait, c'est un deck découverte et un deck value en fait. Dans ouais, le sens où toutes les cartes sont censées redonner des cartes. Sauf quelques, les spells de contrôle habituels, évidemment. Mais c'est aussi des spells en général qui font du card advantage. Ah, donc la torche qui te ramène encore une carte après. Blizzard et Flamestrike aussi. Et juste une Fireball et je pense qu'il y a une métamorphose. Voilà, portail instable voilà, également. Moi, je testerai ici avec le... Ça? Je testerai, ouais. Ok. Donc du coup, maintenant, tu peux portail. Moi, je fais portail. On commence par le portail. Ouais. Allez, on va voir ouais, ce qu'il y a. C'est acceptable. Mais bon, le problème c'est que pour utiliser ça, il faut des créatures. Oui, moi je me demande s'il faudrait même pas le jouer en tempo ou quoi. Ouais, non, on va le jouer au prochain tour avec le machin. Oui, hein. Non, pas trop Maldark. Non, c'est marrant qu'il y ait des Woluétiens. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des problèmes avec Numéricable, les Woluétiens? Vous êtes chez qui, vous? Vous avez quoi comme provider? Ouh, alors attention, là. Là, on marche sur un terrain. Ah, mais terrain glissant. Alors, tu vois, là, on n'a pas, hein, pas encore perdu. Hein. Moi, je ferai 3-1-2. Non, 3-2-1, pardon, dans l'ordre. 3-2. Voilà. Nous avons de nombreux secrets. Voilà, et tu fais quelque chose de bien, là. Bouclier divin. Allez, bouclier divin sur tout le monde. Distribution de bouclier divin. Ah, il y a encore un abonné. Il y a encore un abonné chez Géo. Faudrait que je règle ça. C'est pas mal, c'est acceptable. Bon. Mais non, ça marche pas bien évolué parce que moi je suis à 800. Ah merci, je suis mob. Il y a pas mis de texte. On voit pas le texte. Attends, je vais aller voir s'il y a pas un autre texte. C'est extrêmement sympathique de donc ta part. Merci beaucoup. Ah mais allez, c'est dégueulasse, ils sont tous chez Belgacom, ils ont pas trop. Moi les gars, je suis à 08 méga d'upload, 08 hein. Méga d'upload chez Belgacom parce que je suis à 832 mètres de la borne. Voilà ce qu'on m'a dit. Merci en tout cas les gars. C'est parce que c'est ton anniversaire. C'est dur. En tout cas, c'est très 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 gentil. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très 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 gentil. Bon, est-ce que je le ping et que je mets une entité? Ouais. Tu penses que ça pourrait être un counterspell? Ça pourrait surtout être un duplicate, parce que le counterspell, on l'a déjà croqué. Hein. Donc, vraiment, il n'y en a qu'un. Ok, c'est bon.
Bah tiens, par contre, ça va être un duplicate, on va être embêté. Ah non. Eh ben allez. Voilà. Salut. Salut. Comment tu prononces là le studio? Salut toi. Salut toi, oui. Chevalier d'Athéna. Patty. Ouais, Proximus, ouais. Est-ce qu'elle est Patty? Patty a dit quelque chose sur le chat? Oui, elle a dit que c'était ton anniversaire. Ah oui, oui, demain, demain. Enfin, maintenant. Ah non, projet. Proto, je t'aime. Proto, je t'aime. Bon anniversaire à toi aussi, Proto, je t'aime. C'est l'anniversaire de Proto, je t'aime demain? Bah écoute, c'est ce que dit Patty. Ah bon? Oui. Il savait point. Écoute. Je te le. On a pas de ouais, mais non! Pourquoi? Si tu lui donnes un piège gratos, on en a déjà sorti deux. Oui, mais. T'as encore des pièges, toi? Oui, j'ai effigie encore. Hein. Ok, nickel, on va effigie de deux, ça me stresse. Ou pas! Il y a très peu de créatures. Écoute, fallait mettre de la découverte ou des cartes qui ramènent des cartes. Donc... Alors attendez, il y a encore mieux, hein. Il y a encore mieux. Parce que du coup, je dois en fait me connecter, je dois couper ma couille et je dois me connecter sur fond Belgacom pour fond Proximus fond, peu importe, sur l'HomeSpot, quoi, tout simplement. Voyez-vous, pour streamer. Ce qui se passe, c'est qu'il prend l'HomeSpot sur l'endroit le plus proche. Donc en fait, j'ai dû carrément débrancher la prise de mon modem. Donc j'ai dû enlever la prise murale. Parce que sinon, il prenait long spot sur ma connexion de merde. Et donc, c'était une catastrophe. Donc vous vous rendez compte que je dois carrément débrancher mon truc pour prendre long spot, quoi. C'est un peu le talent. C'est bon, hein. Bon, c'est un peu... Non, c'est... En fait, c'est pas bon, mais c'est bien quand même. Pour un drop 2, c'est bien. C'est bien. Ah, on a une bête. Ah, ah. Moi je prendrais le genre de manga. Ouais, le genre de manga. Alors on va chercher. Ouais. Ouais. T'as encore un piège? Non. C'est pas grave. Enfin, je sais on plus. Est chaud. Ok, maintenant tu sais, y en a plus. J'ai le ping? Ouais, on ping et on attaque. Non! Mais tu m'as dit ping-le! Mais oui, mais ping l'autre en face parce que là maintenant du coup tu vas mourir sur Inoue. Ah bah il terminé. Mais bon, c'est bien quand même. C'est pas grave, c'est bien. J'ai l'impression sur Inoue, il mourrait. Allez, stream en 4G, c'était quelque chose. À quand la première classe gold pour David? À 30 victoires, je vous montrerai ça après. À 30 victoires, on est. Sur mon war. Alors, tu sens comment le petit deck, là? Non, franchement, là, on est trop bon. On est trop bon. Et, tu vois, franchement, je me demande si je ferais pas le... Peut-être non, peut-être non. Non, non, tu mets le Jogurmar. On irait pas voir d'abord? D'abord, tu peux, mais de toute façon, ce sera quand même le Jogurmar. Parce qu'il n'y a aucun drop 3 qui sera meilleur qu'un genre Gurmar. Bah, le Cobra, hein. Enfin, on n'a pas de bête, donc on veut pas la pion. On veut pas piocher quelque chose qui n'est pas une bête. On veut... Et là, tu tues juste. Tu tues la 1-3 avec le truc. Oui, hein. Ouais, tu tues la 1-3, tu fais de la vadille. Il va pinguer évidemment la 5-1, mais. On peut te fournir un Minitel. Ah merde. C'était, bah. Mais Bia souffre, hein, avec, tu souffres, hein, avoue-le, avec ta connexion d'imaginaire générale, là, ça me fait mal. Chamboulé. Ça me fait mal. Ils nous ont mis un petit spell encore, là. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Cobra Empereur et Flame Strike. Ah, tu peurs, ça. Tu crois qu'il streamhack? Ouais, il streamhack complètement. Je pense aussi. C'est pas bien ce que tu fais, chou. Imagine si c'est un CS. Non, d'abord, tu mets le Cobra Empereur. Vois-tu? Non. On va voir, hein. On tente quand même. T'as la tension là. Hein. Ça passe. Ouh, il faut trade. Oui. Ok. Là, je comprends même pas comment on est encore dans cette game avec ce deck. Ah, mais écoute, et regarde ce qui vient. Hein. Regarde ce qui vient, mon gars. L'adjurateur. Il y a Proto, je t'aime qui dit que ce serait un super cadeau que tu fasses une game contre lui. Ah. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant, hein. Ah, ouais, c'est embêtant. Mais regarde. Adjurateur, métamorphose. Tu crois? Next level play ou pas, hein? Mais oui. Mais non. Parce que sinon, tu peux plus jouer la métamorphose. Oh, t'es nul. Ah, l'effigie, c'est bien l'effigie. Ça peut? Ça peut être bien. Moi, je mettrais l'effigie, hein. Et puis tu full face là maintenant, hein. Ouais, je pense qu'on va pas chipoter. Non, parce que là, attention, il va quand même. Il va pinguer le jog Mutumar. Oui. Il va taper dans la 6-3 pour te piquer la 2-3. Ouais, tout à fait. Alors. Oh, est-ce qu'on nous demande si Oliach est un peu trop dans le graveleux. Non, mais. De toute façon, j'en ai parlé encore avec lui. Il se rend compte que des fois, il est un petit peu. Ouais, je trouve que ça va. Oh les gars.
Oliège, il est sur une TV mainstream, les gars. Il fait pas ce qu'il veut, il fait ce qu'il doit. Si les gens veulent du comme ça, il donne du comme ça. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Oui, hein. Tout à fait. Tu sais, c'est comme dans les réunions d'entreprise, hein, les gens veulent de la merde, on leur donne de la merde, c'est tout. Alors qu'Oliège, il est vraiment pas comme ça, c'est quelqu'un de... Mais... Moi, je le connais bien, IRL et tout, c'est quelqu'un de pire que correct, hein, vraiment tout à fait correct. Qu'est-ce qu'on fait? On crame ça, simplement? Moi, je ferai d'abord un jet de sort. Je jetterai un sort. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on... Ah, intéressant. Moi, je ferai ça, pour vérifier. Ouais, ok. Ok. Puis on juge. Non, on fait un bizarre, là. Tu veux faire le bizarre? Ah oui, ah okay, oui. On fait le bizarre maintenant. Avec ton face, avec, avec ton arme de la main. Ah bien sûr. Bah écoute, on lui rend 2 dégâts par tour avec ça. Alors, si, film série que je vois en moment... Je me suis remis à faire tous les Clone Wars. Anakin, bien sûr, bien sûr. Mais on est en PLS de rien du tout, Bruzmer, t'as vu le deck? On est en PLS. T'as vu contre quoi je suis en train de jouer? Écoute, on a un deck de fou, hein. On joue contre Chewie en plus. Alors la fireball, tu vois. Non, regarde. Ah non, j'allais dire que allez, là il faut intelligence. Ouais. Il faut être vachement intelligent ici. Merci. Merci Batman, ravi de te retrouver. Ta belle et soyeuse chevelure, Davido. Aujourd'hui non, mais bon. Merci, c'est extrêmement sympathique. Il y en a qui se contentent de plus. Merci, merci Batouane. C'est très gentil. Qu'est-ce qu'on fait ici? Parce qu'il peut nous rentrer beaucoup trop de dégâts. Ah, il peut nous tuer. Moi, je ferais quand même boule de feu pinge sur la 7-7. Mais bon, le problème, c'est que je me dis, si on fait ça, on perd nos win conditions, quoi. Inquiète. Donc, est-ce qu'on n'a pas envie d'abord de faire quand même une intelligence des arcanes? Et puis, de toute façon, de pinguer la 7-7, la 7-5, de boule de feu la 7-5, en termes de réduction de dégâts, ça revient au même. Ouais. Ah! Non, je pense qu'il faut quand même boule de feu la 7-5. Et puis face avec la 3-4. Je t'explique, si je fais ça et ça, j'arrête les dégâts. Ouais, mais bon. Je prime derrière. Ouais, moi j'aime pas, mais... Non. Regarde, on essaye. Ouais, mais j'aime pas du tout. Au ballsy. Regarde, je viens de rentrer 4 dégâts de plus. Ouais, tu peux. J'essaye, hein. J'essaye. Et salut à tous ceux qui nous rejoignent encore maintenant. Allez, les 200 viewers. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Intéressant, c'est de la merde. Oh, un peu comme ton commentaire. Oh, j'ai rien dit. Quoi dit-il? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que tes cheveux soyeux, c'est de la merde. Oh, c'est dur, ça. Ouais, t'as vu ça? C'est Bruzmer. Je le balance, tiens, Bruzmer, je te balance. Pourquoi tu dis ça? C'est dur. Oh, aujourd'hui, oui, ils sont pas top. T'as vu comment il est? Oh, il a été méchant. Ouais. Oh, il a été méchant. Ouais. Non, là, je suis triste. Ouais. C'est pas très bien. Ah, il nous a salé. Chewie nous a salé. Ah, écoute, ceci dit, le deck s'est plutôt bien débrouillé. On est reparti. Bientôt, on pourra plus perdre d'étoiles. C'est cool, hein. Voyons le côté positif. Salut Golden. Lequel de vous deux est le meilleur joueur? C'est toi, hein. Bien sûr. Ah, t'es Ken, hein. Oh, bah. Street Fighter 5, hein. Ah oui, Street Fighter 5, merde. Alors... Oh, les conversations elles sont intéressantes en conversation. Oh, elles sont intéressantes en conversation. Oh. Ah oui, non, c'est pas gentil d'être méchant. Non. Le méchant. Non. C'est pas gentil. C'est pas gentil. On vire ça, on garde ouais. ça. On garde comme ça. Non, ça tu gardes pas, évidemment, contre un... Non, ça tu peux garder parce que de toute façon c'est ta seule bête. Mais le projectile, je veux dire, tu le gardes pas contre... Ah. Contre Rogue parce que t'as rien à tuer chez un Rogue. Tu me dis aussi jamais. On joue contre Lost, hein. Oui. Ah, Tekken. Allez, go les 500 viewers. Effectivement, ce serait sympathique. Ce serait extrêmement sympathique, d'ailleurs. Ah, regarde, je vais même faire un truc. Allez, 202. Waouh. Non. Non, on va attendre. On fait rien, ouais. Bon, tu vois, par contre, moi, le courbe... Le jet de sort, c'est quelque chose qui me fait un peu flipper contre le voleur, dans le sens où... Tu lui donnes des trucs. Ouais. Et regarde ça, donc, comment on est bien dans la cave. Ouais, mais le savon fou. Mais tu vois, là, c'est bien parce qu'on a toutes les bêtes en main. Ah, ouais. Oh, le let's play de Monkey Island. Eh ben, je crois que je le ferai avec mon frère. Ce sera notre... Je pense qu'on avait prévu justement avec le frangin que ce soit notre premier pack tout de rétro, en fait. Ah. Je vois qu'il y a un débat. Est-ce que c'est mieux 200 viewers ou 500, dont 300 abrutis? T'as allé le débat. Alors, on commence avec quoi ici? Est-ce qu'on... Je vais rien dire.
Est-ce qu'on irait pas chercher de l'armure ou un truc agressif? Moi non, je me demande si on ferait pas. Si c'était pas le moment de faire pièce araignée là. C'est une 3-3 l'araignée. Ouais. Allez. Une 3-4 ici. Comme on il a pas mis son poison, que s'il veut mettre le poison, il doit refresh la. Ouais, plutôt le loup, non? Il va faire peur. Ouais, je pense. De toute façon, y a rien qui est terrible. Il va faire peur. Ah, merci à toi, pseudo HS, c'est gentil. Alors, ça. Mensu, c'est quoi le deck? C'est un play for fun découverte value. Un truc comme ça. Il faudra qu'on lui trouve un nom d'ailleurs à celui-là. Pain au chocolat ou chocolatine? Ben, déjà, c'est une couque au chocolat, Gangreciel, pour commencer. Quantité miroir, c'est pas beau ça, monsieur? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal! Et regarde là, maintenant je lui fais projectile les trois dans sa face. Tu crois à ça? De toute façon, t'as droit à un ping, hein. Attends, il y a quand même un... Ouais, allez, vas-y. On essaye ? Ouais, allez. On est là pour rigoler. Hein. Allez. Prends dans sa face. Bon, je parlais pas de cette face-là, évidemment. Bah, je pense qu'il faut trade et du coup, mettre quand même le machin. Celui-là ? Ouais, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui vient ? Ouh ! Salut Taizo, merci à toi. Et vague de soins, ça peut être intéressant. Salut Taizo. Bah, je suis pas sûr. Ah, vague de soins. Je préférerais une pyro, moi, tu vois, mais bon. Hein. Oui, mais bon, monsieur. Comparé à ce qu'on a eu avant... Non, c'est juste un deck avec masse découverte, il n'y a aucune value dedans. Ouais, c'est un relativement value deck quand même. En plus, il nous le sape. Chicon et Pinch. Alors, on dit pas des chicons, on dit des endives. Ça va lui faire un peu peur. Ouais, ouais, là, tu vas lui mettre les miquettes. Hein. Allez, hop, une carte pour nous. On en a déjà un dans le deck. Mais c'est bien. C'est bien. C'est value. C'est un deck value découvert. Value découvert. Tu sais quoi? Ça, c'est le deck chasse au trésor. Moi, je vais l'appeler le deck chasse au trésor. Ouais, on va l'appeler comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat? Le chasse au trésor. Le chasse au trésor. C'est pas mal, hein? Ah, mais on le trouve pas, le trésor. Non, on le trouve pas, mais on fait comme si. On fait comme si. Et salut, Jean. Merci, Jean. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On duplique? Tu nous fais pas, monsieur et madame Valjean, t'es un fils? On n'y a pas droit, là. Monsieur et madame Val? Oui, ok, oui. T'es qu'un. Monsieur Madame Bomber. On t'en fils aussi, Starkartus. Alors ceci dit, ici, faut qu'on fasse gaffe parce qu'on on est dangereux. On peut overdraw en fait. Ouais, ouais, on peut se mettre dans, un peu dans la mélasse. Donc. On doit pas essayer de jouer, Max. Est-ce que t'as mis un Gorilla Bot en ayant aucun méca dans ton deck, David? Est-ce que t'as fait ça? Est-ce que vraiment t'as fait ça? Oui, il est découvert. Lui, il va le dégager. Bon. Je viens de me rendre compte de mon erreur. Du coup, tu mets le scarabée et puis tu jettes direct. Alors, il jette sort. Attends, y'a pas un. Non. Merci. Oh, merci Fantomas. Sub via PayPal. Un lien pour automatiser les mentions serait bien pratique. Ah oui, c'est extrêmement sympathique. Extrêmement sympathique. Déjà, lui c'est découverte, hein, mais il est pourri. Non, je déconne. Bah, lui alors, hein. Ouais, hein. Mais est-ce qu'on va pouvoir... Non. Moi, je ferai le Gorilla Bot. Voilà. 3, 6, 8. Et t'as vu ça comme ça, Dro? Ça, c'est de la recherche de trésor, monsieur. Ah, Elise. Ça pourrait être dans l'esprit. Bah oui, la recherche de trésor, la carte au trésor. Et ce serait le deck. Ouais, c'est bien ça. On va virer le Gorilla Bot pour la carte au trésor. C'est mieux, non? Si tu veux. T'as vu, il a fait des racines vivantes. Il a fait des racines vivantes. Il a fait des racines vivantes, ça comme ça, 5 racines vivantes. Qu'est-ce qu'on lui met? On lui met double jet de sort? Un triple jet de sort? Qu'est-ce qu'on fait, merde? Baby. Bah, je pense déjà qu'on va torcher son truc. Histoire de pas prendre trop de dégâts. Ouais. Et maintenant, on va quand même mettre un jet de sort, hein, et probablement un Finlay. Allez. Regarde-moi ça, c'est pas beau ça, monsieur! Ouais, mais c'est pas maintenant. Non. Mais c'est bien, c'est pas mal, allez. Bon, j'aurais préféré une pyro. Tu veux quoi comme pouvoir héroïque? Change forme ou tir assuré? Oh, le tir assuré, hein! Ah, tu veux jouer à grand? Ah oui! Tu veux sale? Ah, c'est un rogue, faut le bousculer un petit peu. Ok, on va jouer ça. Faut ruer dans les brancards, l'ami! Il faut Bran. C'est la carte tech du deck, exactement, Gangreciel! Attaque sournoise à 3, petit coup de pouvoir héroïque dessus. Petit coup de lunette, tranquillement, calmement. Ok, au calme. Et là, on est en train de cumuler tous les lignes du jeu, il nous manque. Il nous en manque encore quelques-uns, hein, et on est complet.
Ouais, le deux. Ah non, en fait, il fallait le jouer en combo. Je savais pas, moi, qu'il y en avait deux, on aurait pu le jouer en combo, du coup. Ah, mais du coup, on peut le mettre et le mettre en duplicate. Ouais, mais alors, il faut tuer l'un à 3. Ok, je suis d'accord. Parce que ça tombe. Voilà, maintenant, tu dupliques, toi. Tu vas être fort en gros. Là, on a un play, là. Là, on a un play. Tu sais quoi, comme on a rien d'autre à faire, je vais me soigner. Ouais. Pour le moral, tu vois, il se dit, oh mon dieu, c'est 5 points de vie. Ouais, on fait une attaque mentale, quoi. C'est ça. Nefarian découvre aussi d'une certaine façon. C'est juste. C'est juste. Je pense que Nefarian aurait sa place. Bon, le Goryobot, il peut dégager Elise. Salut, Gorgonux. Ça fait un bail que je n'avais plus vu. Cette main de l'improbabilité. Attendez, le tour suivant. Oh non, il va pas commencer à comboter comme un cochon, lui. Hein. Si, si. Ah non, hein, t'es pas marrant. Hein. Là, on veut. Comment ça s'appelle? Déluge de la main 4. Le Flame Strike, on veut. Le Flame Strike. Ouais, on va lui faire un combo de Goryobot. Il va pas le voir venir, celui-là. Là, le Flame Strike serait le bienvenu. Il y en a un, mal, hein. Y en a un dans le deck. Bon, bah. Try again. Double. Ah non, mais double Goryobot, de toute façon, on va le combo là. T'as vu ça comment c'est bien en fait, c'est super fort comme combo. C'est rigolo, hein. Ouais, allez, prends ça, c'est marrant. C'est pas le bon. Le bon chat, ça aurait été probablement Char Arena. Oui, hein, mais. Mais c'est marrant. Mais c'est rigolo. Ah non, il nous finit. Bah ouais. Ah, on tombe contre un Maligos. Bon. Et bonne soirée, Kéranit. Bonsoir à ceux qui vont se coucher. Tout ouais. Ou qui vont faire autre chose. Se coucher. Oui. Ah, explosion de lave à 11. Bah écoute. Nous, on récupère les trucs tout moisis et lui, sort des explosions de lave, quoi. Bon, c'était sympa, hein. C'est sympa. On s'en fait une petite dernière. Une petite dernière. Puis après, oui. Ouais. Allez, une petite dernière rapide qu'on gagne. Tu sais, quand deux play for fun, on n'a pas gagné une. Non, ouais. Non, mais c'était fun. On a découvert des trucs. Non, faut qu'on arrête. On avait Pourquoi dit. On a des trucs à modifier. Ah oui, les Goryobot. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, c'est pas la découverte. T'es prêt? Tu veux bien taper chasse au trésor. La chasse au trésor. Ouais, allez, je vais faire comme ça. On va faire. Il y a plein de trésors. Eh, mais attends. Mon dieu. Il y a plein de trésors. J'avais chasse aux aux trésors. Il y a plusieurs trésors. T'as oublié de mettre une majuscule. Ah ouais, t'es à ce point-là, toi? Oui, moi, je suis à ce point-là. Voilà. Alors, du coup, il y a Rafam, choc de flamme, blizzard, là, les Goryo. Ils dégagent. Alors. Salut, Waza. Salut, Waza. Non, c'est Waza. Mon dieu. Play for fun, plus ou moins équivalent à Lose for fun aujourd'hui. Alors, on a fait beaucoup de Loose for Fun, nous. Hein. Aujourd'hui, oui. Le projectile des arcanes n'a pas été extraordinaire non, jusqu'à présent. Non, il a servi absolument à rien. Concrètement. Mais bon, il pourrait. Il pourrait, sur un malentendu. Alors, par contre, ce qui est certain, c'est que dans les gros drops, on avait quoi qui pouvait être assimilé à la découverte? On avait dit qu'on avait... Ça, moi, ces trucs-là... Nefarian. Ouais. Salut, Colio, coucou. On avait Nefarian, ok. Ouais, Nefarian, allez, on va accepter. On va accepter. Techniquement, non, hein. Nefarian, oui. Isera. Non, mais de toute façon, là, il faut mettre une Elise. Hein. Faut une cour plus basse. En fait, le problème de ce deck, c'est pour ça qu'on se fait chez nous, c'est qu'il n'y a pas assez de bestioles. Alors, Elise, où qu'elle est? Et voilà. Il y avait un écho de Midive. Non, mais c'est bien. On reste là-dessus? Ouais. On laisse les deux projectiles? Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans à les... la place d'un projectile? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on mais a comme carte qui s'apparente? Moi j'avais pensé au gnome mécanique. Ouais, qui donne une vaguement. Pièce détachée. Vaguement, ouais. Le problème c'est que c'est une synergie, pas grand-chose du tech, vu qu'on n'a pas beaucoup de créatures pour carry les buffs. Hein. C'est ça. En drop 2. À la limite, la masseur de butin. Ouais, c'est plus une mécanique de pioche. Hein. Et notre main elle est souvent pleine. Hein. Ouais. Donc moi j'avais pas vu grand chose d'autre. Est-ce que le chat a une idée? Le Midouze. Ça c'est pour le prochain play for fun. Midouze. Avec Midouze, ça va être génial. Tu vois, donc moi là... Recambulateur. Un recambulateur, ouais, ça fait un peu varier la bête. Mais sauf qu'on n'a pas vraiment de gros drop à recambulater. Non. Un Bran, ouais, pourquoi pas. Pourquoi Bran? Parce que ça se combatte avec les... Un Bran avec les découvertes, tu vois. Et on enlève... Non, comme ça, c'est bien. Allez, écoute, c'est, allez, bon. Allez, c'est bon. Là, on a un bon deck, là. On est parti, là. Road to Biscon. Allez, French New Meta.
J'aime beaucoup ton... Robot et dupliquer, c'est fait, J'aime beaucoup son... En fin de compte, ce que je serais pas mal, c'est que vous découvriez la victoire. Non, on a mis le Bran, les enfants, on a mis et le Bran. C'est fait, il est mis. Mais vous êtes quand même 208, merci à vous les gars, ça fait plaisir de voir que ça monte un petit peu, ça fait plaisir. Allez, objectif 500, hein. On a un écho de Medivh, hein, Kent. Tu vois, ça, là par contre, ça pourrait servir. Non, ouais, moi je pense qu'on va le garder dans ce match-up. Et le reste, on jette. C'est trop late. On veut notre curve. Ah oui, non, ouais, je veux dire, on veut notre curve, mais on n'a pas de curve. Ok, ça c'est un peu dommage, mais. Bon, mais t'as perdu. Non. Regarde, Bran. On a un T3, c'est pas beau ça, monsieur. Ah oui, on a un T3, c'est bien. Non, maintenant on est bien. Ouais, puis les face. Hein. La face, hein. Et t'as vu ça? De Milouz, découvrez la défaite tour 2. Double combo. Alors là, par contre, qu'est-ce qu'on fait? On reste quand même sur... Oui, tu mets le Bran, hein. Ouais, parce que le Bran, en fait, c'est un soft taunt, donc de toute façon... Oui, c'est un équivalent taunt. Hein. Ouais. Les joueurs vont le trader, ils le laissent pas de toute façon. À quand le retour du mauvais chasseur? Ah, ça. Le problème du mauvais chasseur, c'est que même le mauvais chasseur, il peut gagner, en fait. Ouais, le Blinkotron pour décorer les nards. Oh, il a une solution. Pourquoi il y a un nain de refaire dans un... Ok. Bah écoute, on va lui geler. Tu vas avoir un bastion, hein. Ouais. T'aurais pu faire un ping, mais étant donné que t'as le projectile des arcanes. Ouh, la tisflamme. Ouh. Oh, voilà. Ouais. On a une vraie créature, on peut gagner maintenant. Non, on peut y aller. On a une bête. Bon, cette bête-là, faut la choyer. Attends, on lance la 1-1 dans la 4-1. Ah non. On face avec la truc et on fait machin projectile. Tu veux? Attends. D'abord, tu fais truc projectile. Ouais. Pluie de dégâts. Je crois que j'ai attrapé un... Mais non. Bon bah tu passes, hein. C'est moche. C'est moche. Ah, la roulette de 2016, elle était puissante. Il y a le bon et le mauvais chasseur. C'est ça. Butez-le. Oh. Non. Non. Ah, il est en train de te manquer complètement de respect ici. Ouais, tu fais la torche puis tu fais trade pin. Ouais. En gros, on veut ramper jusqu'au Rafam, quoi. Effigie Rafam. Ouais, on veut ramper jusqu'au tour 9. Mais oui, pourquoi? Parce que remporte bouclier. Ah ouais, on est au remporte bouclier. Ouais. Les gars, je pensais pas que Thor ressemble à René Lataube. Je connais pas René Lataube. Je connais pas Thor. On va voir ce qui vient ici. Ah ouais. On va faire ça, puis boule de feu, probablement. Moi j'ai... Ouais, autant faire la boule de feu, parce que c'est la même chose, mais comme on a 4 points de mana et on n'a pas forcément envie d'utiliser le Sir Finlay. Par contre, maintenant, ce qu'on a vraiment envie d'utiliser, c'est l'effigie. Parce qu'on va effigitiser un prince Rafam ou un Eferian. Bon, mais ce machin, il va prendre sa bouboule, hein. C'est ça, c'est parfait. Allez, c'est parti. Effigie. Ouais, mais du coup, il faut rien jouer, hein. Bah, on les crame ça 6-6. Voilà, et tu ping la 4-3, mais surtout, tu mets pas ta défense. Ouais, bien. Allez, Eferian. Non, pardon, enfin. Salut, Rwandral. Est-ce que j'ai acheté la nouvelle extension? Ça va de soi. Moi, non. Moi j'ai farmé, je dois donner 7000 gold, je suis tranquille. T'as pas pris quoi? Non, je crois que j'ai déjà 70 packs gratos. Je suis mignon. Ceci dit, il a un petit flame strike, un truc comme ça. On est dans le dur, hein. Aïe. On est dans le dur. Là, il faut un zone. Là. Ouais. C'est pas un zone. Non, il faut lui faire peur. Faut mettre Nefarian, faut lui faire peur. De toute façon, on a quand même perdu. Hein. Tu préfères Nefarian ou ouais. Tu préfères. Nefarian, ouais. Parce que du coup, on peut peut-être essayer de choper des. Un piège de feu. Un piège de feu, surtout. Bon, si on n'est pas mort, mais on est mort là, attends, il y a combien? Ah, mais il y a bien assez 8, là. 12, 12. Oui, ouais, mais il a l'étal sur board, hein. Il a l'étal sur board. Ah, c'est dommage. Il faut peut-être un peu plus de zone pour te dire. Un peu plus de bêtes. Tu penses? Ouais. Là, on a bien amélioré. Et non, on a eu 4 tours à vide. Ah oui. Accessoirement. C'est de l'effigie. Ouais. Mais ceci dit, il faudrait qu'on travaille ce petit flip for fun. Moi, il m'a plu.
Ah, moi aussi. Il m'a plu. Moi aussi. Je dois dire que, ouais, effectivement, on était mort. On va remontrer la déclisse rapidos. Oui. Chasse au trésor, regarde. Tu vois, maintenant, t'as Rafam, t'as Nefarian, un choc de flamme à Blizzard, un éthéré. Attends, t'as de la créa, qu'est-ce que tu me racontes? Kekko de Medivh, il a jamais servi. Hein. Il a jamais servi. Le problème, c'est comme c'est des créatures à mécanique découverte, c'est des créatures qui sont moins bonnes que les autres, de par la fait qu'elles ont une mécanique découverte. Mais c'est bon, ceci dit, c'était assez sympathique. Moi, je pense qu'on le ressortira un de ces jours. De toute façon, ce Play for Fun. On a d'autres idées de Play for Fun, rassurez-vous. C'était sympathique. C'était sympathique. Adrien, Twitch. Pas la peine de la... Attendez. T'emmerde pas. Alors, ceci dit, on va revenir maintenant dans 5 minutes. On fait une pause déshydratation-hydratation. Et on revient dans 5 minutes. Et là, par contre, on rejoue sur mon compte. Mais là, on va jouer avec un deck un peu plus... un deck alternatif, ouais, mais jouable. C'est un deck un petit peu marrant. Voilà. Qui sait jouer, quoi. Voilà. Donc, rendez-vous dans 5 minutes, les gens. Yep. Et puis, bah, restez bien là, évidemment. Hein. Faut couper le son du jeu. Oui. Hein, parce que pendant qu'on monte le deck, ça va faire chier les gens. Non, il suffit de mieux. Ouais. Regarde, hop, on voilà, s'entend plus dur.
Et nous sommes de retour. Coucou. Bonjour à tous, enfin bonjour à tous ou bonsoir à tous, ça dépend. Bah bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le live. Coucou les gens, merci d'être présents. Et bah bonjour. Ouais. Bonjour. Ah ouais, là ça va aller mieux tout de suite. Et puis bonjour à tous ceux qui nous retrouvent sur YouTube. Coucou YouTube, comme on dit. Non, coucou les gens qui regardent, qui sont sur le site YouTube. Parlons bien, parlons peu mais parlons bien à la vie. C'est ça quoi. Ah maintenant j'ai les cheveux plats. Mais non, tu crois ça, mais là, c'est si pas vrai. Vu, non, c'est une catastrophe. Non. Moi je vais les recouper la semaine prochaine. Ah mon dieu. Non, il faut c'est sympa, hein, ce retour aux caméras là, ça fait un peu. Ça fait un je fais ça tout le temps. Hein. En mode miroir. Tu veux dire une petite pointe de narcissisme? Moi? Jamais. Non? Non. Alors. Une petite pointe. Mais non. Alors aujourd'hui, enfin maintenant tout de suite, ce qu'on va vous présenter, bah, c'était un deck fun pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Deck fun, ladder, major. Salut Flibou. Deck jouable. En fait. Fait que ça revient. Hein. Oui, oui, mais c'est un deck qui est jouable. Qui tient. Moi, j'ai vu pas gagner un tournoi ou faire second à un tournoi avec ça, justement. C'est un droïde. Ouais. C'est un droïde meule. Qui meule. C'est ça. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai. Et salut Bankai. Je t'avoue que j'ai joué Bankai ce deck. Bankai. J'ai joué ce deck 2-3 fois. Donc. Tu veux contre quoi ici? Moi, j'enlèverais déjà le balayage. Je garderai juste le mouton. Parce qu'à ce niveau-ci, j'ai quand même du mal à croire que ce soit un friso. Tout à fait. Et donc on va tenter un petit deck druide. Comment on l'a dit un petit, Et salut Amelika. Ouais. C'est ça. Donc un petit deck druide. Druide défaut. Ah. Et là tu me disais. Waouh. Ouais, en passif. Hein. On va peut-être après montrer la liste évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ne vous tracassez pas. On va montrer la liste, c'est sûr. Et tiens, j'ai l'impression que le chat est mute. Hein, du coup, voilà. Chat est calme. Un hein. peu de calme. Et coucou les gens, apparemment il y a des gens qui nous découvrent ce soir. Coucou un peu tous les gens qui découvrent le live. Qui restent ce dans soir. Le thème découvert. Ouais, ouais, c'est ça. C'est professionnel talent, mais hein. jusqu'au bout. Quoi. Alors là par contre, qu'est-ce que c'est? Bah c'est pas grave, tu Grove Tender. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce Grove Tender? Un cristal, on accélère. Ouais, comme ça va me permettre de jouer le. Merci. Chevalier d'Athènes. Oh, merci à Code pour le soutien du stream ce dimanche. Oh, merci beaucoup. 10 euros, c'est vraiment extrêmement généreux, Chevalier d'Athènes. Ça ferait plaisir. Est-ce que vous avez remarqué d'ailleurs que c'est moi qui ai fait la magnifique boîte du Chevalier d'Athènes? Alors, du coup. Merci, c'est extrêmement sympathique. Tu vas me faire croire que c'est un. Ah non, ok. Oui, donc. C'est alors, les gens qui ont découvert le live aujourd'hui, bah, levez la main. Bah, tapez main. Tapez main dans le chat. Je pense qu'on va prendre le trade. Le trad. Et on va développer notre crash vase. Hein. Allez, tiens, crash ta vase. Il y a des trolls sur ce chat. Mais non. Sorry, we were unable to connect to the chat. Salut Mokhtar. T'aimes bien Mokhtar, hein? Mokhtar la bouillarde. Ça fait penser à la gaffe. Ça fait penser qu'elle arrive Mokhtar sur son scooter doré, passe non. par la fenêtre. Moi, je c'est pas ça, vais t'emmener. C'est pas ça ouais, mais il si, dit hein. ça aussi, mais d'abord, il dit autre chose. Oui, je sais. Qui est moins politiquement correct. Moi, je. Maintenant, tu peux plus dire ça à notre époque, hein. Alors. Eh ben, on va. Ouais. Tac. Je pense qu'on pourra envisager. Ouais, le problème, c'est que je suis pas sûr que ce soit pas un counter spell. Mais sinon, techniquement, on serait bien de faire un météore sur la 5-5, parce que sinon, ce machin-là va devenir out of control. On peut tenter, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ouais, c'est ça, il faut tenter. Hein. Mais à mon avis, c'est ça. Hein. Ah non. C'est pas ça, on a gagné. Magnifique. Quel bon play! Oh, le talent! Burrito! Pardon. C'est encore de la bouffe, hein? La Zubida! Zubida! Zubida scooter! Non, mais ça. Ah, c'est un scooter, ouais. Ah, tu as fait Ken le survivant. Ah, ça c'est bien ça. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. C'était comme ça. Je crois que tu peux acclimater le bonhomme. Hein. Mokhtar, la bavouille, vous aimez mon pseudo ravageur, certes. On va acclimer. On va c'est pas la bavouille, hein, c'est la bouillave. Mokhtar, la bavouille. Ah oh, ouais. C'est encore mieux. Ah hein. ouais. Ah ouais, fantastique. Le talent là, monsieur. Bon, qu'est-ce qu'on fait derrière? Il est à 6, on va pas me le faire piocher. Non. Non, moi j'irai juste passif. De toute façon, passif, on a tout le temps. Hein. Je te rappelle que dans le. Oh!
Ouais, on a gagné le game. Monsieur. Tu vois, ça vient, ça. L'arme fatale 3. Ouais, quand capitaine, il dit, capitaine, ouais, capitaine. Oh là là, on parle de bouffe et c'est terminé. Alors, Koliukuku qui nous cherche, Koliukuku me cherche. Il t'a trouvé. Écoute, maybe, je vais faire un truc. Tu sais quoi, on va réessayer de faire ça, rien que pour toi. On va réessayer. Mais non, c'est bon. Si, parce que je sens que tu en as besoin. On va popoter. Regarde, ça marche, là, ça marche. Ouais. Ils sont vite contents. C'est quoi ça? Ah, c'est une pub. C'est une pub. Déjà, quand le pseudo est écrit en cyrillique. Et pourquoi C'est pas en cyrillique, en fait. Mais on va dégager ça. Ah oui, mais comment je vire d'ici? Tu cliques sur le nom. Voilà. Et voilà, et puis je fais. Ban. C'est bien. C'est bien, ban. Allez, dégage. Voilà, c'est fait. Voilà, ok, c'est fait. Bon, ceci dit, voilà, tu es content, tu. On a gagné. Voilà. C'est bon, je peux rentrer chez moi. Écoute, voilà. Ça fut un plaisir. Monsieur. À bientôt. Alors, on va quand même remettre ça là, on va quand même remettre tout ça là. Ah, regarde, voilà. Là, t'es bien, là. Là, t'es bien. Et on est reparti. Vous avez vu, donc, ce qui est bien avec le deck, le druide meule, en fait, c'est que... Ça fait fuir les gens. Ça fait fuir les gens, ils se barrent, en fait. Ouais. Les gens qui veulent jouer un peu vite, ils se barrent. Si ça continue, vous allez retomber en 21. Mais non, justement. Mokhtar est en fait... Alors, Mokhtar nous dit que son pseudo... était fait pour séduire les chevaliers que nous sommes. C'est mignon. Je dois protéger. C'est beau. Hein. Ah, ça, ceci. Moi, je garderai une balayette. Ah, une balayette. J'enverrai tout le reste. Hein. Balayette coup de boule. En gros, on va aller chercher le. Une balayette coup de boule. Écoute, ça mange pas de pain. Ah, j'ai une belle main, ça. Alors, pourquoi il y a la justicière? Parce que ça permet de faire les meilleurs trades. Et là, ce qu'on veut, c'est du contrôle. Et puis, accessoirement, ça donne deux points d'armure. Ouais, c'est pas mal. Oh, un vilain pas beau. Bouh. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Moi, je ferais quand même Innervation Gardien du Bosquet. Du Bosquet? Sylvanier, ouais, on s'est compris. Qu'est-ce que c'est? Ouais. On accélère pour nous? Je ferais une accélération, ouais. Accélération. Mais pour lui aussi, hein. Oh, tout en 19, go, go, go! Et les gens, est-ce que vous êtes au courant que cette semaine, c'est le retour? Pour ceux du live, hein, parce que ceux qui suivent cette vidéo sur YouTube auront certainement déjà vu ça. Est-ce que vous êtes au courant que c'est le retour du Road to Legend mérovingien made in Via en personne qui start cette semaine? Ah ouais. C'est lourd ça. Solide ça quand même. Mais on est en train de jouer contre un vrai paladin. Secret, hein. Un vrai boladin. C'est un Francy quoi. C'est un secretos. C'est hein. Triste, hein. Moi je serais passif, croquer la 2-2 et on trade avec la 2-4, tout simplement. C'est ça. Tranquillement. Un problème? Ah, apparemment ton béret manque à certains, mais moi je trouve que c'est mieux quand t'as la chevelure à l'air. Ah mais la baston aussi. Alors, ah Via, ça va être du dur. Ah oui, donc ouais. Tout début de semaine ça sort. Ah Via, je pense qu'il y aura un paquet de vidéos. On l'étalera probablement sur 2 semaines, histoire de pas trop vous saouler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pose une question toute bête. Mouton explosif, ça va pas l'embêter un peu? Ça pourrait l'embêter, ouais. Et pouvoir dans sa face? C'est ça. Pour la nature. Parce que du coup, ça va le forcer à prendre un trade. Le problème, c'est que si il a la True Silver ou une Consec. Alors, viens ça sur la chaîne, bien entendu. Hein. Vous l'aurez en VOD, rassurez-vous. On a déjà un record de... combien d'ailleurs de parties? 3 games. Et si on leur mettait... Ouais. De belles games. Oui. Ouais, c'est ça. Donc cette semaine, on start. Ce sera sans doute fin de semaine. Ok. Ah, il y a Ronronux qui nous dit Via plus Mérovingien égale Zizi tout dur. Tu fais ce que tu veux, Ronronux. Ah, écoute. C'était une erreur. Alors. C'était une erreur. Ici, c'est facile, hein. Un petit gardien du Bosquet sur la 4-1, pièce. Ah oui, non, on peut pas, pièce passif. Donc c'est pas grave. Si on peut, pourquoi pas. Mais non, parce qu'il t'a fait le truc, ton passif coûte 7. Il t'a saboté. C'est pas grave, c'est bien quand même. C'est bien quand même. Il t'a saboté. Il m'a sabotagé. Alors, vous êtes à la merci, sans rien derrière, vous pouvez concéder. Ask Kicker. Pourquoi? On est à la merci. On est bien, là. On est super cool, là. Hein. On est salut. Détendu, on est calme et détendu. Doi 69. Mais bi torse nu. Non, il y a Mike. Je suis avec Mick. Ouais, les jeunes, ils savent pas qui c'est. Hein. C'est Mick. Oui, hein. C'est un chanteur des Beatles. Mais si je mettais ouais, ça. Ouais, c'est ça. Juste pour l'embêter, en fait.
Ça fait quoi d'ailleurs? J'ai jamais vu ça. Gagne 2 points d'armure et 2 points de... C'est pas si pourri en fait. Alors, pourquoi est-ce que tu mets pas la déclisse sur le côté comme la plupart des streamers? Parce qu'il est pas la plupart des streamers. Parce que je suis pas commun, moi. Et sinon, vous allez rester 2 secondes sur le live et vous barrer. Mais je vous connais. Moi, je veux ma Twitch money, hein. Sur une chaîne qui est pas monétisée, mais bon, c'est pas grave. Oula, égalité de consécration. Fallait égaliser. Ça cogne dur, là. Non, je déconne. Ça, est-ce qu'on joue une charpie dans notre... T'as vu maintenant, t'as un phoque et un loup. T'as vu, c'est chouette, hein. C'est un phoque? J'ai toujours cru que c'était un phoque. Ah non, c'est un tigre. Non, tu peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Salut, Squeak. Salut, Squeak. Squeak. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est simplement un passif. Aller croquer le machin. Ouais, et puis... Et je me demande même si on jouerait quand même pas le Murloc, tu sais. On est un peu foufou. Mais ouais, mais on a la balayette, donc s'il s'étale, tu vois. Allez, ça va. On est à la graine de corruption. Attention, attention, attention. Et là. Ouais. Oh, talentueux. Salut, Flake. Salut, Flake, la mangouste. Mais dis donc, il y a des gens qui ont des drôles de... Alors, David, tu devrais mettre la chaîne YouTube dans l'interface. Tu sais qu'elle est en bas, mais pas tout le monde va voir les informations complémentaires. Ah bon? Il triche, ce mec-là. Il est désagréable. Ouais. Bah, bon. C'est facile, hein. Colère à 1. Ah ouais, non. Moi, j'aurais fait d'abord une colère à 1 sur une bombe. Oh. Ah oui. D'abord, trade la bombe avec le 2-2. On va faire les choses bien. On va un peu se concentrer. Allez, hop, voilà, avec un peu de bol sur nous. Voilà. Colère à 1 sur l'autre bonbon. Hop. Voilà. On fait des choses proprement maintenant. Sinon, on va encore dire... Ouais, c'est ça. 3000. Allez, maintenant, BGH. Voilà. Allez, comme ça. Avec beaucoup de souplesse. Comme ça. Comme ça, comme ça. Passive face. Parce que maintenant le passif il pèse. Non, non, passif. Passif, pèse. Putain, ouais, il pèse. Deux gars dans sa face. Il pèse le passif. Mais c'est maintenant. Pas mal. Tu vois, c'est le combo entre. Et c'est la combo de pouvoir du chasseur et du guerrier. Le pouvoir du guerrier. C'est pas si mal en fait. Mais non. Qu'est-ce à dire que ceci? Ouh. Qu'est-ce à dire que ceci? Jeu de mots. Oh, on a oublié un nouveau Chucky. Regarde-moi ça, la balayette dans sa face. J'ai un souffle de la balayette. Salut, Common Ball. On se calme. Toi, ça craque, regarde. Calme-toi. Non, ça craque. Par contre, ça craque. Tu sais, il a sorti un diablotin. Tu sais faire craquer à la broussolette. Ouais, il va craquer les. Regarde. À la broussolette, toi. Ah oui, toi aussi. À la broussolette, toi. Ok, moi, ok, craquer, ok, moi. Ok. Il y a un qui craque chez moi. Alors, du coup, on va balayette. Salut, Flouzer. Du coup, moi, j'aime bien ici. Petite balayette là-bas. Balayette là, 1-4. Je crois qu'on va pouvoir jouer le volcanique machin. Ah oui. Attends, hein, ouais. Oui, oui, oui. Voilà, pièce. Volcanique, pièce. Tu sais et on... Ouais, c'est ça. Et on... Pièce, et on va croquer machin. Ouais, c'est bien ça. Tu l'as kiffé là, cette 8 tonnes, Bobby. Tu la sens, ma cette 8 tonnes. Alors. Alors, Colio Coucou qui me demande si tu dois comparer une carte, ce serait. Tu dois te comparer à une carte. Ouh, salut Gareth, monsieur, madame, si. On t'a un fils. Ah, trop facile. On est fort en pomme. On est fort en pomme. Alors, oh, Umilishtad. Pourquoi il s'est fait dilater? Qui? Ah, qu'est-ce qu'il a direct? Ah, je ne sais pas, il a peut-être mis un truc. Ah, ben non, Mokhtar, je crois qu'on va terminer sur Zexy, nous. Hein, apprenti quenelier, fais gaffe. J'aime bien les quenelles, mais fais gaffe. Et c'est Kromkov. Et on a une pas mal de follow aujourd'hui. Ouais, hein. Non, ça n'arrête ça plus, fait, hein. Ça fait plaisir. Ça n'arrête pas. Hein. Bon, on lui met 2 dégâts. On le... D'abord, qu'on va faire? C'est avec la 1-4. T'enlèves le bouclier divin. Puis tu fais. Ouais, moi j'aurais pas fait comme ça. Pourquoi pas? Moi j'aurais fait avec le passif, ouais, hein, c'est tout ça. On a un passif, on a un beau passif qui est beau. Allez, maintenant tu fais Branilbot. Lol. Ou tu peux faire Crash Vase et pas le Bran. Mais bon, Branilbot c'est très bien. Ouais, non, c'est bien, c'est vraiment tellement bien. Puis on a à bord. Alors. Y'a Zolti qui nous dit qu'il a un match de sang de Thanos doré. Est-ce qu'on le décraft? Alors, grand dieu, le Boom surtout pas, Zolti. Le Dr. Boom surtout pas, il va être sorti du mode. Ouais. Donc je sais pas, salut Zolti, Zolti, Chucky aussi. Alors moi ce que je te dirais, c'est avant de crafter quoi que ce soit, déjà le match de Santalnos, tu vas probablement pouvoir le décrafter, tu vois. Mais parce attends que ça... un peu, attends un peu. Mais moi ce que je conseille toujours aux gens qui me posent la question avant les gros changements de méta, c'est attendez de voir comment ça évolue. C'est ça, attendez de voir comment ça évolue, salut Arnaud. Et il s'est fait ban les 1706 premiers Arnaud. C'est Arnaud 1707. Balayage dans la 3-3 Crash. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas conceal encore le bonhomme? Regarde un peu les cartes. 14 oh, on a le deck meule qui se fait meuler. Ça quoi? Bon.
C'est une espèce de deck token control, en fait. On sait pas s'il y a pas un Tyrion ou quoi, Doko. Exactement. Tyrion est pas possible. Ah, moi je me respecte. Parce que j'aime bien le rendre. Ouais, mais le problème, c'est que là maintenant elle peut se faire mourir sur une consécration. Elle peut se faire mourir. C'est du bon François aussi, ça. T'as kiffé. T'as kiffé, bébé. Ouais, Thanos, il est pas mauvais non plus. Non, je déconne. Concrètement. Il va mettre le taunt. Ah, ok, d'accord. Oh. Ça, comme ça. Lui. Ouais, voilà pourquoi, monsieur, dame. Bah, ceci dit. Ouais, tu silences. Voilà, et maintenant, moi je prendrai le trade, évidemment, 1-2 dans 1-1, parce que maintenant on a quand même plus peur de la concept. Et full face, hein, avec passif et tout. Hein. Mais n'empêche que ce passif il pèse. Bah, il commence, hein. Le druide meule, effectivement. Ouais, Sigmund. Enfin, ici, ce serait plutôt le druide. Je t'aggro. En fait. Il y va tout seul, je m'en fous, laissez-moi me transformer, quoi. Alors en gros, Tamaru, la différence c'est que... Il faut reposer la question. Tamaru nous a demandé quelle est la différence entre le standard et le wild. Oui. Salut Moki. Pour les gens qui reviennent à Hearthstone, hein. Alors qui est le plus fort, Meru ou Pipin? C'est sans aucun doute Meri. Ça c'est absolument certain. Qu'est-ce qu'on fait ici? Moi je dirais, on trade la 1-1 dans la 2-1. Exécution. On passif la 1-1 et on full face avec la. Alors donc ouais, qu'est-ce que... En gros, on enlève Goblin versus Gnome, on enlève Naxxramas et on enlève les cartes de récompense. Non, moi je pense pas, je pense que les récompenses vont rester. Ah non, les cartes de récompense, ouais. Donc ça veut dire que le Murloc Charge, tu l'oublies. Ouais. C'est triste ça. Parce qu'ils aiment pas ce deck-là. Ouais, tu crois? Tu crois que c'est pour ça? Oui. Parce qu'ils aiment pas ce deck-là. C'est malheureux. Ouh. C'est automelé en fait. C'est pas grave. On avance? Ouais. Oui. On est des fous, nous. C'est pas le bon play, mais c'est pas grave. Non. Ouais. Bon. Seigneur de la mort. Seigneur de la muerte. Un petit passif. Dans sa tête. La full face comme des rageux. Maintenant, full face parce qu'on a un taunt de 8. Hein. Et on a surtout, on a le combo. Hein. Alors. Mokhtar demande, est-ce que je dois décraft Baron Gedon Gold pour me faire un freeze? Et que penses-tu du freeze selon toi? Survivra-t-il? C'est une excellente question, maybe. On avait parlé mais du freeze. Moi, mais lis toute la phrase. Je sais que tu as déjà posé cette question à maybe, mais je suis l'avis de David. Je suis du même avis que maybe. Oh, comment il s'est tellement pas mouillé! Tu l'as senti la puissance du troll. Les 500 viewers dont tu as besoin, ça peut être dans un court instant, quelques minutes, ou faut que ce soit... Ah non, il faut qu'on atteigne les 500 viewers 2-3 fois par semaine, hein. Ouais. Et à ce moment-là, on pourra activer tout un truc sur la chaîne, il faut, voilà. C'est embêtant, ce monsieur. Ouais, mais là... Si on t'avait qu'une canaille, on peut le toucher guérisseur à 8 dans la face. Oh, il est agressif, hein. Ouais, il peut, hein. Concrètement, il peut. Merci. Merci, loser. Bonne année, David. Eh, on va être riche ce soir. Écoute, ça fait plaisir. Hein. Mais ouais. Attends. Ah, moi j'aurais quand même fait Seed of Corruption ici. Mais c'est pas grave. Bon, oh, moi je voulais faire ça, non. Ah ouais, tu veux faire ça? Vas-y, fais. Je sais pas. Fais-toi plaisir, t'es chez toi. Hein. Fais comme chez toi, David. Ah non, il y avait la 8-3 en fait à côté. Bah oui, il y avait la 8-3 à côté, hein. Zut, j'ai pas regardé. Non, mais c'est pas grave, hein. Bah, full face. C'est pas grave, t'as mais la. Non, mais moi je voulais. Ouais, okay. Mais non, ouais. T'as la Seed of Corruption, hein. T'as la Seed of Corruption. Il est pas bien de toute façon. Eh non, il est pas bien. Ouais, on joue le druide meule. Moi, je suis théoriquement druide meule, oui. Théoriquement. Bon, bah, merci pour ton aide. t'as bien avancé, Mokhtar. De toute façon, Mokhtar, mon avis était au top. Hein. T'inquiète pas, Mokhtar. Qu'est-ce qu'il joue? Ouais, ouais. On a révélé. Tu crois? Ouais. On a vu, oui. C'est gentil, si t'as pas. Attends. Merde. Le bébé est au premier, mais il est à l'arrière, donc ça va. Et les deux autres sont au deuxième. Tu sais ce qui est marrant? Je me demande un truc. Alors, c'est un truc que j'ai jamais essayé, donc ne hurlez pas si ça fail. Mais si on fait mouton explosif, graine de corruption, est-ce que le mouton va péter? Je sais pas. On est chaud? On tente? Vas-y. Écoute, faut le savoir. Mouton explosif, graine of corruption. Vas-y, on... C'est cool. Je crois que c'est une mort, en fait. Wouah! Qui est le plus fort, Wolverine ou Hulk? Ah ouais, bah oui. Ça va être beau. On va le meuler.
n'ai presque plus de cartes. Ouais, ça avait été changé à un moment, ça le faisait pas, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'étais pas sûr, effectivement. Ah là 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 là. Oh, il se soigne, il veut pas mourir. Ah, il est coriace, hein. Ah, il veut pas. Enfin bon, il nous reste 3 cartes dans son deck. Ouais, je pense qu'on peut colériser à 1, quand même. Sûr. Mais oui, mais oui, mais oui. De toute façon, on a encore un gros temps, on est à 30 000 points de vie, il est à 11, quoi. Pas mal, ça. On peut le mettre en désert. Non, non, moi, je ferais tout simplement Auspice Funeste et passif. C'est vrai que théoriquement, là, il passe pas. Pour le moment, il passe pas l'Auspice. Hein. Ah, merci, Mokhtar, tu me fais plaisir. Attention, ça frotte dans le sens du poil. J'ai plutôt l'impression que c'est le druide qui joue David. Oui. Ah, il passe maintenant. Ouais, mais bon. Tu vois, de toute façon, on s'en fout, on a le combo, hein. On a le combo fatal. Hein. C'est ça. Corruption mettait où ? Allez, hop. Ok, 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 ok. Oh ! Évidemment, il nous en restait un. Forcément, ça allait tomber. Ça s'est fait plaisir. Oh, ça ! 3. Allez. Ah non, c'est 1 maintenant. Non, c'est 1, 2. Et 2. Et là, on le passive face, on respecte bien. Non, non, on est là, on est bien. Hop, voilà, il reprend encore 3. Non, ça marche pas. Mais depuis le temps que j'ai. Depuis le temps, ouais, depuis le temps, j'ai oublié. Le druide à 40 points de vie, tout va bien, quoi. Bien joué. Et là, on le laisse mourir à la fatigue. Un petit fou. Allez, on fait les crasseux. La victoire, la barre. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah. Il est sympa ce petit deck. T'as vu, en même temps, on est au rang 20 aussi. On va montrer la déclisse quand même 2 minutes. Puis on en refait une petite dernière. C'est pas comme si j'ai fait 27 fois les gens, c'est facile pour moi. C'est ça quoi. 27 fois, vraiment. 27 fois les gens, ouais. Ouais, pas mal monsieur, pas mal. Moi une fois. Bon, écoute. Et aider. Chacun son... Regardez la déclisse magnifique du deck. C'est la version, c'est une des plus actuelles, non? Oui, c'est la version d'Amnesia de Just Saiyan. Donc, une innovation. Ouais, parce que t'as pas besoin de tempo. Non, hein. pas tellement. Hein. On a raté un chevalier d'Athéna. On a raté un chevalier d'Athéna. Non. Non. On l'aura entendu. Non. Mokhtar, c'est pas bien lorsque Non, c'est pas bien, là. T'essaies de nous déconcentrer, là. Dessert. Bon. Qui sont les écoliers? On les a tous bouffés. C'est ça. Deux acclimatations, deux colères, un hospice funeste, deux moutons, un pyroro, un toucher guérisseur et non pas un toucher... Oui. Comptez, celui qui t'arrive à 40 dites ans. Dites 33, 33. Bon, ben on va essayer autre chose, dites 33. Un. C'était bénil. Bran, chasseur de gros gibier, deux oracles évidemment, deux seigneurs de la mort, sylvanier, deux balayettes, deux graines de boison, un gardien du bosquet, un météore, un crash vase, deux robots, une justicière qui a fait le boulot ici. Ouais, c'était quasi. Et deux lourdeaux. Voilà pour la decklist, donc assez sympathique. Et allez, une petite dernière qui peut durer, c'est pour ça qu'on va quand même jouer. Ouais. Je vais regarder un truc, est-ce que j'ai pas une Cuesta qui est un peu récalcitrante, voleur, guerrier. Bah, tu peux enlever. Hein. Non, on sait jamais. Gagner, voilà, gagner. Voilà. Bon! On a les moutons, la girafe. Et donc, on a vu que la combo fonctionne bien. Hein, ouais, avec ça, Arena. C'est bien. Ah, graines mouton, ça pète tout. Deux concentrés. Ouh, j'aime attention, bien. Attention, Golden Aureolus. Mais... J'ai du mal à dire les noms parfois. Je sais pas si ça se sent. Golden Aureolus. Salut, Umbre. Hola, Umbre. Nous apportera la victoire. Aïe, Manax qui fait un compliment, je sens. Attends, je vais le lire, ça a l'air bien. David, je tenais à te dire que j'adore ce que tu fais. Tu te débrouilles super bien en restant comme tu es. C'est super à voir. Je te souhaite plein de réussite. Ta collaboration avec Mebi est géniale. Continue comme ça. Écoute, moi je propose qu'à partir de maintenant, on n'ait plus que des commentaires de ce niveau. Ouais, en fait, les autres, on va plus les lire. C'est ça. Alors, qui est le plus fort entre Gogeta et Vegeto? C'est. Ah. Gogeta. Ouais, parce que c'est Goku qui domine. C'est ça, hein. Attends, non, mais ça, on garde peut-être, non? Contre quoi? Contre un curé? Ouais. Je suis même pas sûr. On garde ça? Ouais. Allez, parti. Végéto. Salut, Valou Bambou. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés nous faire coucou aujourd'hui. Ah, hein. Mais on a eu... au moins une centaine de followers. David, qui n'a pas réussi les 2 victoires en arène. Si, je l'ai réussi sur mon compte US. Je peux vous le montrer. Sérieux, hein? Si.
Et quelle est la nouvelle carte d'extension qui nous fait rêver pour le moment? Alors, ceux qui aiment Broly, je vous renvoie à la vidéo spéciale La vraie puissance de Broly qu'on a fait avec Volvi. Quand on voit que c'est un Super Saiyan God parce qu'il a les cheveux verts, c'est ça? Ouais. Et en fait, on n'y croit pas. Non, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est un prêtre. Il fait le malin? Mais tu... Non. Seigneur de la Muerte? Bah, je suis pas sûr. On pourrait faire pièce seigneur, mais je me dis qu'on pourrait tout aussi bien faire un pièce gardien du Bosco au prochain tour. Moutanise pas, on fait juste un pouvoir. Ouais. Bah ouais. Alors, l'épisode 37 de Dragon Ball Super, je le regarde après le live. Voilà. Et Valou Bambou qui vient de découvrir la chaîne YouTube, dis donc. Et alors, Valkyrie. Pour ceux qui l'ont découvert, je vous rappelle qu'il y a des hors-sujets sur les mangas, il y a les David Dovlog qui sont souvent hyper nawak, hein. Eh ben voilà, maintenant tu vois. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais calme-toi! Ouais, je suis fébrile là. Je suis fébrile. Ça, c'est parce que t'as pas eu l'épisode 37. Attends, ouais, c'est ça. Tel un genre qui en manque. C'est pas bien ça. Et bonsoir à tout le monde. Ouais, ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, on fait pas Nier. Comment on fait gagner Mage Freeze contre Gary? Tu fais pas. Ou alors tu tentes et dès que tu vois la Justicar, tu t'en vas. En gros, c'est ça le concept. Non, là tu peux mettre le Seigneur. Hein. Seigneur de la mort. Ouais, tu penses qu'il va bien. Tu crois qu'il va bien tempo? Ouais, oui, il va tempo. Parce que prochain tour, il va vouloir taper dedans, il va mettre le machin 4-1. Et, sauf si, évidemment, s'il joue pas une bête. Alors, Volvi, c'est un joueur d'Hearthstone à la base? Oui. Oui, parce que bah, il a quand même gagné une Dreamhack. Non. Il a pas gagné la Dreamhack? Non. Il a fait quoi la Dreamhack? Deuxième? Deuxième. Et à la Millstone? Ah oui, Dreamhack deuxième et Millstone il a gagné, c'est ça. Ouais. Mais à la base, lui je pense que c'est un joueur de Yu-Gi-Oh! Oh la championne sacrée! Ouais, c'est vraiment un joueur de Yu-Gi-Oh! Mais littéral. Oui, mais vraiment! Ouais. Du vrai? Non, mais vraiment, hein. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Alors moi. C'est rien, l'écran s'est mis en pause, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve que le play est un peu délicat quand même ici. Alors, on pourrait aller mettre une petite balayette dans la 3-5, la trade avec la 2-4 et finir la 4-1 avec... Tu vois, ça là, après une balayette, tu vois, tu la mets à 3-1, ouais, tu peux faire ça. Voilà, comme ça, chacun va en face, tu balayes. Et on voit ce qui revient. Et on s'en sort pas trop. Voilà. Ça va. Ah, je vois une très bonne remarque. Trunks est toujours le seul Saiyan qui perd à chaque fois. C'est vrai, il a rien gagné, Trunks, en fait. Il gagne que contre... Si, il a découpé Freezer. Freezer, il était déjà has-been comparé au Super Saiyan. Alors, ouais, j'ai joué à Duel of Champions à un assez bon niveau, mais le jeu est mort en poule, malheureusement. Pour moi, c'est le meilleur jeu. Oui, hein. C'était bien. Ah, génial. C'est une tuerie, ce jeu. C'est vraiment pas beaucoup d'RNG, beaucoup de maîtrise. Parce qu'il n'y a pas Ubisoft à laisser mourir son jeu. Genre, pour donner un exemple, quand ils ont fait les championnats du monde, il n'y avait même pas de stream. Il fallait suivre le fil info en texte sur les trucs, tu vois. Donc, comment tu veux gérer... Enfin, tu vois. Pourquoi? C'est pas parce que c'est dommage. Ça va être dur quand même de tenir, là, j'ai l'impression. Moi, je tente très bien le... Double... Le double de mouton, ouais. Un petit passif dans la face. Alors... Après, ça, c'est le problème. C'est qu'ici, on a vraiment besoin de la graine de Corrupts, hein. Ah, c'est vrai que Vegeta, il est cool dans Dragon Ball Super. Oui, on a vraiment besoin de la graine, là. Donne-moi la graine. Je ne mange pas de graine. Je suis en train de choper un rhume, alors que je sens le rhume s'introduire. Ah non, hein. Si, je te jure. Je suis en train de sentir le rhume s'introduire dans ma personne. Ah, ne me contamine pas, vol de l'esprit, dis. Ça fait pas notre jeu, hein. Je veux bien un petit verre d'eau, tiens, pour contrecarrer le rhume, si tu veux bien. Tu penses? Ouais. Tu penses que ça peut le faire? C'est notre last game, hein, quand même, de ce soir, donc il faut en profiter, hein. Ah, ça va faire le boulot, là. Ah, Krillin Forever, on va en reparler de Krillin, d'ailleurs. Oui, là, ça va faire le boulot. Il est passé à côté, mais là, j'ai l'impression qu'il est un peu greedy. Moi, il aura peut-être pas... À moins qu'il fasse encore un choix de vélène sur son bestiau, là. Ça nous ferait pas plaisir. Hein, si... Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça, monsieur? Bon, bah, on y va. Bah, écoute, un mouton face. Et l'autre mouton dans la 3-5. Voilà. Non, dans la 3-5! Bien sûr. Dieu m'a fait peur. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait derrière, nous? Tilbot? Tilbot pouvoir héroïque? Ouais, on peut faire un petit bot, un petit pouvoir. On s'en fout d'utiliser. On attend ouais, ça. Ouais, non, on s'en fout parce qu'on a quand même le touché. Alors, monsieur et madame. Oh! Oh, c'est mauvais. Oh, il y a. Non!
Si, si. AMD Gamer qui me dit Madame et Monsieur, j'ai pas arrosé mes végétaux. Oh, allez, c'était gentil. Moi, j'aime bien. Moi, je prends quand même. Je suis bon public. Oh, le talent, là. On fait tout péter. Balayette. Ouais, tu tapes là-dedans, tu balayes. Tiens, meurs. Et pour 4, on lui met un petit bras, mais pour le faire ça. Non, moi, je mettrais plutôt le ça. Le ça? Ouais. On se fait piquer? Maybe, on ne te voit plus dans les tournois internationaux. C'est une belle question. Ben, figure-toi que j'ai. Bon, quand j'ai repris les études et puis que j'ai des petites ennuis de santé, de petite santé, je me suis retiré. Mais là, maintenant, vous allez me revoir. Là, je vais. C'est officialisé. Là, maintenant, je vais faire la DreamHack. Donc, ben, vous allez pouvoir me voir gagner la DreamHack tranquillement. Oh, le pin est mort. Alors, Francis Junior Junior nous a envoyé un message très sympathique. Oh, t'as vu ça? T'as vu ce qui vient d'arriver? Est-ce que ça ne se silencerait pas d'ailleurs, ça? Ouais. Silence Crash Vase. Ouais, un petit silence Crash Vase, ça me paraît convenable. Undele Kazur. Je sais pas si on va de meuler easy à lui, hein. Ah, si, quand même. 5 cartes d'avance sur nous, quand même. Ah! Il ne change rien. Non, non. On va lui calmer quand même, ça. Ouais. Hop. Ce qu'on veut là, c'est concrètement des graines de corruption. Hein. Oui, mais pas, on n'a pas pioché en fait. Non. On n'a pas pioché. Honnêtement, un petit. Ah, moi je l'ai vu, la fusion, elle est bien, je trouve. La fusion Broly Sangoku, elle est bien, hein, il a de la classe. Hein. La fusion Broly Sangoku, ouais, ils l'ont fait dans une revue au Japon. Là, je crois. Ah oui, ouais, il y a, franchement, tape hein, sur Google, hein, il est swagué à balle. Hein. Il est swagué à balle. C'est vrai? Ah ouais. Alors, on nous dit, est-ce que tu es au courant que Harry Potter va revenir dans une nouvelle trilogie? Ah, moi, je croyais qu'il y avait un truc. Il est pas mort? Mais je croyais qu'il y avait un truc dans Harry Potter, mais pas ouais, ça. Je sais pas, moi, j'ai pas vu. C'est le petit con. c'est le binoclaire. C'est le binoclaire. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Tuna? Ouf, toi, petit pingouin. Petit pingouin diabolique. Mais non, c'est pas diabolique, un petit pingouin. Oh, vas-y, pioche. Ouais, ouais, c'est bien, ça, piocher. Pioche. Vas-y, pioche, Marcel, pioche. Bon, fais-toi plaisir. Allez, Tuna. Allez, fais-nous un cercle allez, de soins. Tuna. Allez, Tuna. Et tu pioches 2 cartes. Une carte, c'est une carte de trompe. Est-ce qu'on a envie de le jouer comme ça, à froid? À sec? Est-ce qu'on a le choix? Moi, je le jouerais à sec, hein. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Et on passe. Et c'est dommage, hein, parce qu'on aurait bien voulu comboter ça. Mais là, on ne pioche pas nous-mêmes, en fait. Eh non. Alors, est-ce que j'ai regardé One Punch Man? J'ai vu quelques petits bouts et ça m'avait l'air très bien. Ouais, c'est chouette. Je suis à l'épisode 2, si j'ai. C'est l'épisode 2? Hein? Moi, j'ai pas encore bien vu. Non, c'est bien. Hein. Ouais. Franchement, rien que graphiquement, c'est au top. Oui, pareil. Ouais. Dis, on a vraiment rien chopé. On a rien chopé du tout, on est tout nu. C'est fou, ça. On le meule, mais on va mourir avant. Non, on va se faire défoncer notre as, hein. On va se faire défoncer. On peut soigner un peu, c'est pas ça. Mais... Harry Potter qui va fusionner avec Hermione. Allez, mec. Ouais. Ah. Allez. Tac, tac. Ouais, c'est ça. Là, on y va, la Franco-Maurice, quoi. Ouais. Ouais. Allez. Ouais. Graine de corruption. Bon, bah, du coup... Une botte. Innerve le bot, hein. Histoire de pas mourir. C'est ça. C'est cela, oui. Là, c'est un beau petit tour, hein. Oh, ça va vite, hein. Est déjà pleine. Ouais. Et tu vois, on meule. On meule, c'était pas mal. Mais non, mais oui, Carapuce, il éteint le feu, les gars, voyons. Carapuce éteint le feu. Alors, est-ce qu'on va faire des vidéos sur Death Note? Death Note, c'est vieux. Hein. Ouais, mais c'est bien. C'était vraiment bien, mais les mecs. Ça, c'est un vrai bon manga, avec un bon concept. Ouais. L'enquête et tout était vraiment génial. Mais les mecs pensaient quand même. Il est gaucher, sa sœur s'appelle Marie. C'est obligé. Il mange des flocons d'avoine tous les matins. Enfin, et oh, ouais, c'est un peu comme dans Flipper, quoi. Tu vois Flipper de fin? Ouais. Quoi? Il y a 4 bandits qui rentrent par derrière. Ah bon? Mais c'est un cétacé. Comment t'as compris ce qu'il a dit? Il vient de comprendre qu'il joue. J'ai presque envie de soigner sa créature. Mais moi, je pense que t'as surtout envie de top deck une graine de la corruption. Alors là, hein. Alors là, je vais dire d'une force, mais d'une force. D'une méga force, quoi. Bon. 3 cartes dans son deck. Allez, maintenant, graine de corruption, 11 cartes, c'est pas ouais, possible. Allez, il nous la faut. Sonnette. Bon, bah, on le fait. Bah oui, de toute façon, on n'a pas le choix, on va mourir. Presque plus de cartes. Ouh. Oh,
Ça, ça peut quand même nous aider un ouais, peu. Ouais, on peut acclimater la 5-4. C'est celle qui connaît le plus dur. Voilà. Allez, boum. Ok, ça c'est fait. On peut déjà se toucher. On doit. On peut se toucher, ouais. Et on peut mettre aussi l'hospice finesse ouais. Pour faire un soft taunt. Peut-être ça, il est obligé de faire ça. Ouais. Du coup, il ne nous tue pas. C'est parti. Bon, 8, 11, 13, 14, 15 dégâts. Ouais, bah, il lui faut que 7 en fait hein, pour nous piner. Hein. Après, il faut qu'on redémarre encore. Hein. Mais est-ce qu'il nous faut ça on touche un météore, on est instant win. Pas un météore, enfin, une graine. On touche, on touche la graine. Comment on fait les bébés? Mais il faut une graine de corruption. Entre poussifeu. C'est quoi poussifeu? C'est la mèche, c'est dans. Ah non, mais je peux. Ouais, c'est dans le jour où je serai. Ah, tu vois, il va nous mettre 7 dégâts dedans déjà. Ah là, tu vois, c'est bon ça. Ça, c'est bon, Marcel. Après, on va pouvoir piocher avec la colère. Mais le problème, c'est que. Ping, t'es mort. Ok, donc on sait que. On va probablement devoir mettre. Il faut absolument qu'on ait une graine de poison. Ouais, si ça, c'est pas une graine de poison, on est foutu. Ce serait malheureux. Hein. C'est cuit. En plus, on s'est bien battu, hein. On doit choisir vite. Ce serait malheureux. Allez, une graine. Attends. On peut déjà faire colère à 1 sur la 4-3. Ouais. Sur la 4-3. Ouais. Celle-là? Ouais. Ok. On va acclimater la 4-4. Ouais. Boum. Là, il prend boum, 3 et 4. Et on va. On va faire météore, on n'a pas le choix. Sur quoi? Faut faire météore sur c'est... la 3-5. Tu penses? Ouais. Pouvoir héroïque? Et pouvoir héroïque et on passe. Un peu triste. Malheureux. Combien il nous met? Mais non, ça marche 5, pas, ça c'est cool. Tu fais pas un play 1 sur 70 ou je sais pas combien, là sur 60. Alors, il nous met. Là, ce qu'on veut, c'est juste limiter les dégâts de manière mathématique. Ouais. On a encore du heal bot hein, dans le deck, mais tu vois, le problème, c'est que là, même la graine de poison ne nous sauve plus. Hein. Puisqu'on a plus de quoi. Ah, c'est gentil, ce petit pingouin. Petit pingouin, il est débile, mais oui. C'est la deuxième fois que je regarde un de vos lives et je trouve que vous êtes super drôle. Je sais quoi faire de mes dimanche soir maintenant. C'est très 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 gentil. On n'est pas bien là. On est dans la misère, la plus complète. On n'est pas bien. Lui il va prendre combien le prochain 6. Faut aller voir. 6, je pense. On est à 5 là. Ouais. Ouais. Ah, la méga misère. Elle le tourne pas un peu. Mais. Oh. Le tourne suffit. C'est dommage pas. Parce que là du coup, avec le. Si on avait le météore. Ouais, écoute, hein, mais ça suffit pas. Hein. Non, là, non. Il passe facile. Hein, ouais, tac. Ah, c'est dommage. Ouais, mais écoute, c'est ça, ça n'a pas voulu. Deux graines de corruption dans 5 decks, malheureusement. Ouais, ouais. Deux dans les 5 dernières cartes, ça n'a vraiment pas voulu. Le deck est fun, hein. Le deck est fun. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ça t'a plu? Ah, oui. Mais c'est un deck que je connaissais, évidemment. Il est joué. Ah, non, à peu près, hein, ce deck. Mais il était sympa, on le voit pas très souvent. On le voit pas très souvent, en tout cas. Voilà, bien joué à Tuna qui a quand même tenu jusqu'au bout. Ouais. Deux graines de corruption dans 5 cartes, je répète. Hein. On a manqué de réussite, mais c'était une game très sympathique. C'était sympathique, hein, ma foi sympathique. Une game très plaisante. On est resté rang 20 du coup. Non, on était rang 19 en début de live. Ouais. Ah, la classe. Ouais, mais ça, c'est ton play for fun. Hein. Oui, le play for fun a fait mal. Ah, attention. Que des loses. Hein. 66% de win avec le deck. Hein, oui, c'était bien. On espère que ça vous a plu. On espère que vous avez passé un bon dimanche soir avec nous. Ce petit deck était ma foi bien sympathique. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, bien évidemment. Rappelez-vous aussi que sur la chaîne, évidemment, c'est du contenu presque tous les jours. On a kiffé votre présence, les gens. C'était extrêmement sympathique. Merci pour les donations que vous nous avez faites. Et c'est vrai qu'on va essayer, on espère atteindre les 500 viewers. Puisque si on atteint les 500 viewers de manière régulière, donc on va essayer d'avoir deux streams par semaine, quelque chose comme ça, on pourrait effectivement organiser vraiment les lives de manière plus complexe, puisque là, on est vraiment sur le truc de base, quoi. Voilà, sur ce, un tout grand merci à vous, des bisous, et puis rendez-vous très très bientôt, hein, maybe. Yep. Allez, à bientôt, les amis. Ciao, ciao, bisous. À très 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 bientôt. Et passez une bonne soirée. Salut tout le monde. Et t'es pas gentil, Bruce Meurt.